Bonjour, votre prénom Bonjour. S'il vous plaît. Dolores. Votre date de naissance. Le 19 du 2 58. Ah bah vous voyez, on est de même signe. Oui. Je suis du poisson. Ah bah oui. C'est bon signe ça. Alors, je pense que oui. Oui, on donne beaucoup, mais on reçoit très peu. Depuis l'âge de 21 ans, vous avez commencé votre vie et il y a eu un changement à l'âge de 29 ans, 30 ans. Oui. Ça a été très, très dur, c'est-à-dire en 1979, ça a été assez important. Dites-moi, vous êtes de quelle région? Je suis de Liège. Ah, oh, mais je connais. Surtout que je suis allé à Liège il y a 2 ans et... C'est très bon le café liégeois. Ah oui, hein, c'est très bon. Ils sont très chaleureux à Liège. Hein. Alors, oui, qu'est-ce que vous voulez savoir? Mais sur ma vie sentimentale, en fait. Vous avez quelqu'un actuellement, un prénom à me donner? Non. Hein? Parce que je vois quand même une rencontre par rapport à ce que vous avez vécu il y a 9 ans en arrière, surtout il y a 2 ans, 3 ans. Vous voyez, vous avez eu une période difficile depuis 2010 qui a été hyper dure. Et là, vous êtes en période de restructuration. Ça veut dire que vous êtes en période de renouveau. Ça veut dire que vous allez faire quelque chose de tout à fait nouveau. On voit dans votre destinée, il y a la réussite. La réussite qui arrive enfin de ce que vous avez vécu en 1979 jusqu'à aujourd'hui, ça a été dur. Mais on voit quand même la pensée, l'amitié, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Mais on ressent que vous allez faire la connaissance de quelqu'un qui sera un petit peu plus jeune que vous. Je ne vois pas quelqu'un plus âgé parce que vous ne faites pas votre âge. Vous voyez? Vous ne faites pas votre âge normalement, puisqu'on ressent quand même. Donc, dans l'année, et surtout dans les 6 mois qui sont à venir, il y a quand même une rencontre sentimentale qui se fera très prochainement. Mais il y a toujours une remords ou quelque chose par rapport à une personne que vous avez vécue, que vous avez connue auparavant, mais qui vous a marqué beaucoup. Donc, il vous a menti, il y a eu la trahison, ça n'a pas été facile. Vous avez été normalement blessé dans votre cœur et vous attendez actuellement à un changement radical dans votre vie qui s'annonce très favorable lors d'une table ou lors d'une sortie, qui sera très intéressante parce que vous allez me dire « Mais Axel, je ne sors pas beaucoup. » Effectivement, vous ne sortez pas beaucoup, mais je vois quand même une connaissance qui se fait parce que vous avez la protection sur vos amours qui s'annonce dans peu de temps. Donc, ce n'est pas quelque chose de négatif. Cette rencontre, elle se fera dans les 6 mois, moins de 6 mois avant la fin d'année. C'est quelque chose de très favorable. C'est quelque chose qui va vous apporter satisfaction. C'est une personne qui a une profession libérale. C'est une personne qui a un lien avec le côté paramédical ou le commercial. C'est quelque chose qui bouge. On voit que c'est une personne qui bouge, qui a déjà un enfant ou deux, qui sera un petit peu plus jeune que vous, entre 45 ans et 50 ans, ou 43-50 ans, on me dit. Et on voit que c'est quelqu'un qui va vous donner l'appui. Donc, on ressent l'appui, la chance, et on ressent... mais on dirait que aussi vous ne plaisez pas là où vous êtes, dans l'emménagement ou l'endroit où vous habitez. Oui, non. Il y a certaines méchancetés de certaines personnes. Je ressens beaucoup de gens qui parlent beaucoup, qui discutent beaucoup autour de vous, qui ne sont pas bien. Et vous avez envie de changer d'endroit. Et je pense que vous aimez tout ce qui est le côté la mer, tout ce qui est l'eau, tout ce qui est en lien avec les voyages. Vous aimez voyager. Et cette personne va vous apporter, parce qu'il y a quand même les honneurs sur vous. Les honneurs, ça veut dire la satisfaction. Vous savez que le poisson, depuis très peu de temps, il est rentré dans un cycle très favorable avec l'arrivée du Jupiter qui est en Lion, qui va donner un coup de pouce pour le poisson, parce que vous êtes le Jupiter en Lion, c'est-à-dire c'est la poussée du Jupiter qui est dans le signe du feu, mais qui est un signe très positif par rapport au signe du poisson. Et comme c'est une année qui est encore, on est Jupiter en cancer, ça veut dire que ce Jupiter en cancer, ça va permettre normalement d'équilibrer les choses et de trouver votre équilibre. Donc moi, je vous prédis, dans les 6 mois, à moins de 8 mois, cette rencontre sentimentale, elle sera très stable et ça sera la sérieuse. Et quelqu'un de plus jeune que vous. Voilà, ma chère Dolores.
Ben, c'est très bonne bien. Bonne journée et à très bientôt. Merci. Et bonjour à Liège. Merci. Au revoir. Je au revoir. Gros bisous. Au revoir. Merci beaucoup. Oui, bisous. Au revoir. Au revoir.